Et salut les loulous, ici Gaminou pour le 9ème épisode de la race Pokémon Crystal pour IvaSound Studio. La dernière fois, on avait un long épisode au cours duquel on avait parcouru cet immense phare pour aller trouver Jasmine qui s'occupe du Pharamp, qui est malade. Donc notre mission, si on l'accepte, et de toute façon on n'a pas le choix, ça va être d'aller à Erisia de l'autre côté de la mer pour aller à la pharmacie, avoir une potion secrète qui est le médicament qui pourra sauver Pharamp. Et donc on aura accès à l'arène d'Oliville. Mais à Erisia, on a l'arène de Chuck qui est de type combat. Donc le programme d'aujourd'hui, on va simplement traverser la mer. Je sais pas si j'ai des repousses. Est-ce que j'ai des repousses? J'ai 3 repousses, c'est peut-être pas assez. Je vais aller en acheter. Donc le programme c'est, on va traverser la mer et on va s'arranger pour battre l'arène et avoir notre 5ème badge. Donc un programme à la fois un peu maigre mais quand même costaud. Sans mauvais jeu de mots avec le fait que l'arène soit de type combat bien sûr. LOL. On va racheter des potions, tant qu'à faire. Non, Super Ball non. On va prendre 2 hyper potions, tiens. Pas qu'on y est. Et pour l'arène, eh ben, on va s'en remettre à principalement Nedkin. Parce qu'avec son type poison, il va nous offrir une résistance. Une résistance aux attaques de combat, donc. Même si Chuck a un Pokémon qui est relativement problématique et qui fait très mal. À cette île, tout étant, on va utiliser nos repousses. De toute façon, cela faut les utiliser. Donc les dresseurs, on va essayer de les éviter hein, autant que faire se peut. Bien entendu. Une nageuse, Simone. Bonjour Simone. Kestari, ça m'arrange pas des masses. Il y a une chance sur deux pour qu'il y ait Rafale Psy ou une connerie comme ça. Non, ça va y faire mieux, moi. Je dis pas non. Ça va être du trichot. On a quand même relativement mal hein, sur les attaques. 13 PV, c'est pas rien. Hop, ça c'est fait. Heureusement, elle avait qu'un seul Pokémon. Donc... pas une si grosse perte de temps. Mais on va quand même faire les dresseuses, mais juste celles qu'on va voir. On va croiser sur la route, on va pas faire toute la mer, ça prendrait beaucoup trop de temps. Même si, bon, ce serait bien en XP, mais bon. Alors, on va espérer le 2 HKO. Ok, ça ira. Ah, quoique, avec l'armure, on sait pas. Et ça passe, parfait. On passe au niveau 24 à la même occasion. On apprend toujours rien. En fait, je me demande si vraiment Nedkin va être très utile dans cette arène. Parce que bon, il a peut-être la résistance, mais il a pas d'attaque super efficace hein, là-dessus. Une boréale qui m'arrache les oreilles, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'ils avaient avec les sons, mais qui déchirent les tympans, punaise. Et Anna nageuse a perdu. Easy. Route 41, et un nouveau dresseur, un nageur cette fois. L'eau est bonne par ici, tu veux combattre? Pas de problème. Ah, ce swag. Un coquillasse, génial. Avec sa grosse défense. C'est magique. Un macronium va nous être très utile aussi dans l'arène. Avec protection notamment. Même si là, ça se voit pas trop. Oups, trompette d'attaque.
Par contre, on a quand même un grave retard d'XP. Et ça, c'est pas très charmé. Hop, trancheur qui tape sur le spécial. Et Coquias n'a rien en défense spéciale. C'est parfait. Tentacool, oui. On va remettre notre petit racaillou. Nidorino, pardon. Hop, coup de corne, ça suffira. Il en faudra peut-être deux. Eh ben non, coup critique, bon, on saura jamais. Et son dernier Pokémon, un Tentacruel. Oh, pas mal d'XP. Et ça va pas nous empêcher de le... de l'encorner. Ouais, bon. C'est moins violent. Je l'admets. Hop. Encore une fois, constriction. Ça va, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hop. Pas d'attaque. Eh non, toujours pas. Je suis tout frais, eh ben soit. Voilà. Les tourbilles. J'ai exploré avec un ami. Poids sirène, ce sera easy. Peut-être pas si easy que ça. Non, quoique, bah si. Oui, on va changer, on va mettre Macronium. Hein. C'est plus logique à faire. En plus, c'est le plus bas level de l'équipe, donc ce serait bien qu'il augmente un peu. Évidemment, je retombe d'attaque, bien sûr. On va faire attention un petit peu. Voilà, bon, coup critique complètement inutile, mais bon, c'est toujours appréciable. Un poisson roi. On va passer le niveau 24, je pense. Bravo. GG Macronium. Ouf. Critique. Bon, allez. Voyons fou. Ouais, c'est tout. Excuse-moi, hein. C'est dingue, quand même, on a à peine le niveau de l'arène précédente, quoi. C'est gênant. J'ai pas trop envie de faire une session d'XP. Parce qu'on a, on a vraiment eu beaucoup de temps avant de faire un Rosalia, donc on a perdu pas mal de temps, je pense. On a Erisia, donc ça va, c'est juste là. J'aime bien le Loclas, on dirait qu'il y a des lunettes de soleil. C'est magique, un Pokémon sauvage juste avant qu'on débarque. Un Tentacool. Oui. On va le battre, hein. Ça prend 30 secondes, ça fait un petit peu d'XP. Ok, ça prend un peu plus de 30 secondes. Ça rapporte un peu d'XP. Voilà. Et donc les coups critiques, t'es en forme toi. Je crois que le karma il va se rééquilibrer, ça va faire mal. Hop là, c'est parfait. Son Pokémon.
Bonjour, bienvenue. Oui, je vais les soigner, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche, merci. On va aller à la pharmacie tout de suite. Pokémon semble une plateforme, quelque chose de tracasse. Oui, le phare de GPG, ça devrait faire l'affaire, potion secret. La potion secret est trop forte, je l'offre en cas d'extrême urgence. Merci monsieur. Je t'ai encore une fois coupé dans ton... dans ton... je ne sais plus comment on appelle ça. Ah oui, là les deux combats vont suivre, ça va être atroce. Pokémon, on est liés par une grande amitié, notre liaison ne mourra jamais. Et bon, on remarquerait que je n'ai pas fait le raciste en leur faisant un accent asiatique, hein, alors que ce sont des karatékas. Oh, clic. Voilà, niveau 27. Voilà, il va faire mal. Heureusement, on a protection. Heureusement, on a poudre toxique. Et heureusement, on a des super potions. Alors, ce serait bien que tu rates pied sauté, par contre. Ce serait vraiment... apprécié. Ou tu fasses double pied, oui, aussi. Moi, je veux bien. Ça me dérange pas. On fait rien du tout. On fait strictement zéro dégâts. Coup critique, il va pas suffire. Sac, on va se soigner. Évidemment, je parie que l'autre en face aura Tainion. Tu pourrais rater tes pieds sautés, s'il te plaît. Hein. Ce serait très gentil de ta part. On va se re-soigner, hop. Comme ça, ce sera fait. Avec un peu de chance, il va peut-être rater son pied sauté. Voilà, comme j'ai dit. Ils font mal, ils font très mal. Hop, merci le poison. 800 points d'XP, on monte pas de niveau. C'est pas vrai. Après, son karatéka, mais il ressemble plus à Ken et... Et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Qu'à Jackie Chan, quoi. C'est normal qu'ils aient une voix relativement européenne, même s'ils viennent du Johto. Tu as Tainion, toi, c'est ça? Merci. Oh, il est trop mignon dans sa petite nuisette rose. Oh. Ah là là, mais tel... Oh là, ah, d'accord. Alors, heureusement, à l'époque, c'était spécial. Donc, on va pouvoir compter un peu sur la très 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 mauvaise attaque spéciale de Tainion. Pareil pour prendre glace. Je crois, oui. pareil, on va jouer à toxique et à trancherbe. On va jouer la RNG. Ah, la RNG qui nous dit cordialement d'aller voir ailleurs. Merci. Et si on prend pas de risque, on se re-soigne. On va en dépenser des super potions. Je vous le dis, on a un niveau tellement bas par rapport à l'arène. Mais on peut pas trop se permettre d'aller se soigner. Une protection qui ne sert à rien de toute façon. Vas-y, fais point clair, moi ça me dérange pas. Moi j'aime bien. On espère le faire un peu plus de dégâts qu'à Kikli. Ah, on fait rien, c'est lamentable. Ah, mais c'est pire que lamentable en fait.
là normalement c'est bon. Point comète qui rate, c'est parfait. Et là si je rate pas ma tranche herbe, c'est bon. Je rappelle, c'est juste les dresseurs de l'arène. Hein. Moi je me sens pas bien. Hein. Je me sens pas bien du tout. C'est choquant. Ouais, ce qui est choquant, c'est ce que tu me mets. Ça, c'est choquant. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, alors que j'allais aller à l'arène d'Irisia, un Kikli, un Taignon, bon bref. Alors là, on va aller déposer notre paras. Je t'aime bien avec coupe, mais là pour l'instant on en a pas besoin. Je vais même pas souvenir qu'on en ait encore besoin après. Oui. Je déposais, c'est pas pour rien non plus. Je crois que c'est ici. Je suis choqué. Garnement de ton âge avec l'œil mauvais et des cheveux longs s'est infiltré chez moi. Il m'a fait peur et a kidnappé mon Pokémon. Il m'en reste un, mais quoi faire s'il revient? Tu peux t'occuper de mon Pokémon un petit moment? Évidemment. Et donc on obtient un Karatroc, si je ne m'abuse, qui a très peu de PV, mais qui a, à proprement parler, des défenses de Tarba. Voilà. Disons que ce Pokémon, c'est même pas qu'il tank, c'est qu'il a juste pas mal en fait. Ça lui fait rien. What? Attendez, il va falloir utiliser force. On a la CS force. Ah, je crois qu'on l'a. Ouais, si on l'a, si on l'a. À niveau 25, ça, c'est un peu plus soutenable. Et surtout, protection va être utile. Cling, cling. Ok, bon. C'est pour faire des frappes Atlas, non, ça va pas être utile. Heureusement, on est plus rapide. Ah, je pourrais peut-être jouer le flinch du coup. Ouais, bon. Ouais, et là par contre, on est un peu coincé. Parce que frappe Atlas, il s'en fout de la défense. Frappe Atlas, hein, c'est une attaque à dégâts fixes, ça inflige dégâts suivant le niveau. Il va vraiment falloir jouer le flinch. Soit le flinch, soit le coup critique, faut jouer. Ah, c'est mon point karaté. Mais là, normalement, ça le finit, je pense. Yeah! Parfait. Machopper. Machopper. Qui fait peur. Je déteste ma vie. Ça va. Pareil, on tente la peur. Ce qui est complètement raté. On va encore se soigner, oui. On va se soigner. C'est ça où on meurt de toute façon, en fait. Donc bon, je sais pas vous, mais moi... Je suis pas bien sur cette arène, en vrai. Non. Allez, Macronium, je crois en toi. Tu es le plus beau, tu es le meilleur. Soit-il. Putain de merde. M'en fous, je tente. J'ai foi. D'accord.
Oui, coup critique. Vous pouvez pas faire un coup de boule coup critique avant. Non mais vraiment, tu pouvais pas. Je veux dire, le concept était un peu trop abstrait pour toi. Bah oui, allez, allons-y, deux critiques à la suite, merci. Non, vraiment. Ouais, trois petits points. Meurs en enfer. Pire, c'est qu'il reste encore un autre dresseur après. Waouh, incroyable. Bon, je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui c'est programme court, mais programme long quand même. Hop, Pokémon en plateforme, encore merci et à bientôt. Il reste encore un dresseur avant Chuck, hein, je rappelle bien sûr. Je n'ai pas appris force, donc on va le faire. Est-ce que j'ai pas quelqu'un qui va prendre ballon, moi? Non. Alors, on a la 16 force, ça me rassure. Et bon, on va la prendre à parfait. On va prendre à Messi. Hop, on va oublier, je ne sais même pas, tellement je m'en fous. Constriction. Oui. Donc voilà, hein, c'est le dernier dresseur. Les points de ouf vont terrasser des Pokémon. Hey. Il n'y avait pas le hey, mais je l'ai rajouté parce que je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Na. Féroce, un niveau 23, ça me rassure un peu. Pareil, on lance protection, on réfléchit pas. Donc là, ouais, taux de critique élevé, mais ça va. Pareil, on va tenter la peur. Génial. Franchement, je suis heureux. Ah, on a vraiment pas de bol hein, sur cette arène. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Je tiens un autre féro singe, donc on va rester. Allez, coup critique alors si tu veux pas lui faire peur. Non plus. D'accord. Je fais plus avec coup de boule en fait. Je fais plus mal avec coup de boule qu'avec tranchard. Et au 26. Petit colossange. Protection c'est oui. Oula. Ok, frénésie. Ça va. On va le poudrer. Oui, vas-y, touche-moi 15 milliards de fois, c'est pas grave. Et encore une fois, évidemment, on va se soigner. Hey. C'est déjà la 10e super potion que j'utilise dans cette arène. Je vais pas balancer, mais bon. Ok, il rate, c'est parfait. Trancherbe. On espère pareil, un critique, ce serait magnifique. Ah, merci. Là, c'est comme avec Féro Singe, je peux peut-être le battre. Enfin, je le balais normalement. Avec le poison, voilà. Un peu de respect. Et on gagne 800 points d'expérience, ça c'est beau. Ping le karatéka. Bon, en fait, j'aurais pu faire l'accent parce que le jeu est raciste en lui-même déjà. On va se soigner maintenant avec une potion. Je vais voir quels objets j'ai mis à mes Pokémon. C'est pas parce qu'on voit ça. Objet à Y miracle. C'est
toi qui l'as visé, Max. Te voilà, toi. Laisse-moi te dire que je suis une bête. Mes Pokémon explosent la roche et fracassent les eaux. Regarde ça. Bravo. Alors, t'as peur ou faut crier plus fort? De quoi? Ça n'a rien à voir avec Pokémon, je sais. Allez, en position pour la bataille. Eh bien d'accord. Parfait. Il y en a combien? 27? Ok. Gros yeux, la gros yeux qui passe pas. Ok, le mur de protection, c'est fait. Combo griffe, d'accord. Qui touche deux fois, ça c'est bien pour une fois. La poudre toxique. Et là, la tranchère. Oula, point karaté, si ça fait un coup critique, ça va faire très mal. Bon, ça va. Pareil, on serre les fesses, c'est toujours bon. Ok, le critique parfait. On va utiliser une potion. Une potion simple. Parce que là, au prochain tour, il est mort. Comme vous voyez, si ça t'amuse. Hop, le poison qui le terrasse. Ça, c'est fait. Premier Pokémon. Et pas encore niveau 27. Son deuxième, qui est Tartare. Et donc là... Ah non, j'ai rien pour baisser ses stats. Plus Tartare niveau 30. Qui a l'attaque de la CT. Donc là, on prie pour que ça passe pas s'il la lance. Ça va protéger. On attaque avant, on attaque avant. Ah, hypnose, d'accord. Oh, mais au moins, le mur de protection est en place. Et tient un réveil. Ensuite, on va le poison. Ensuite, on va bourrer en espérant que ça passe. Oh, l'irrespect. Ah non, ça, ça pourrait être la pire chose du monde. Elle, protection, non, ça va. Par contre, on a la confusion. On va croiser les doigts. Non, ça ne passe pas. Et il refait hypnose. Est-ce que je n'ai pas un total soin? Ah, j'avais du super, non, je suis bête. Non, du coup, on réutilise un réveil. Il lance 9 points, il rate pas. Dire au point qu'il n'y a que 30% de précision. Et là, la protection qui se barre, c'est très mauvais. On va utiliser une hyper. Faut qu'on se soigne à bloc. On n'a pas le choix. J'ai même pas réussi à le toxique, ça par contre, c'est horrible. Il y a dynamo point qui ne passe pas. On tente tout de suite la poudre toxique, faut pas perdre de temps. Yes. Ah, donc là maintenant, en temporisant, on pourra quand même le défaire. Ah, il rate ses dynamo points, c'est parfait. On va essayer de refaire un coup de protection quand même pour assurer. Nickel. Ouh. Les arènes sont compliquées quand même. Et là, peut-être la confusion qui reste. Et on se la prend. On a un point, si tu veux. Ah, le critique. Au moins, on l'a poison. Et là, on va essayer de temporiser. Ah non, il a surf. Bon, on va pas essayer de temporiser, en fait. Non, on va pas essayer. Allez, salut. Ah, je suis bête. Et il prend pas les dégâts de poison sourcil, du coup. Ah, j'avais gros yeux. Hypnose qui ne passe pas. Gros yeux, par contre, si.
on va serrer les fesses en priant pour que ça passe. Tout simplement. Là, on n'a pas trop le choix. Corne qui ne fait pas grand chose. Et la protection qui s'évanouit, mais comme il fait surf, ça va. On va continuer avec les super potions. Là, il nous en laisse 52 PV, hein, on a vu, avec surf. Donc, sauf s'il nous fait un critique, ça devrait être bon. Ok. Là, on n'a pas le choix. Parce que s'il nous met KO, il prend pas les dégâts du poison. C'est un bug dans la première génération. Enfin, dans la deuxième, je veux dire. Pas de critique. Il est pas mort. Hop, la super potion. Prochain tour, il est mort. Sauf s'il nous tue. Moi, je parie à peu près 390 milliards de dollars qu'il va nous faire le public. Bon, je fais cadeau chez Casto, hein, bien sûr. Ok, c'est bon. Wouhou ! Ah, 1200 points, quasiment. Ça fait pas le niveau 27. Hein, hein quoi ? Mais j'ai pas gagné, là. À propos, je peux te dire un truc. Je pense que tu mérites le bon vieux badge de choc. Hop, on va pas tout lire, on s'en fiche. Niveau 70, t'obéiront. Attrape ça. Ça, c'est la CT Dynamo Point qui est très puissante, mais très peu précise. Qui rend confus aussi, c'est vrai. Bon, et ben. Une arène rondement menée, j'ai envie de dire. Non, on va pas se souvenir. Je suis bête. Non, pas soigner, ça sert à rien. On va soigner Olivier en arrivant. Hop, t'as traversé la mer pour venir ici, ça a dû être bien dur. Ce serait plus facile si tes Pokémon savaient voler. Hop, là c'est Asbonne, mais on n'a pas de Pokémon qui peuvent voler. Hop, ton mien il est un peu gros en ce moment, elle se fout de la gueule de son mari. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce 9ème épisode. 4h51, je n'avais pas vu. Ce 9ème épisode de la race Pokémon Crystal pour Ivasam Studio. Merci à vous de suivre la série. La prochaine. La semaine prochaine, pardon, ce sera le 10ème épisode. 10, on entre dans les deux chiffres. Alors qu'on a probablement. Enfin, on va probablement dépasser la moitié, je pense. Donc là, on a plus de la moitié des badges, hein, je rappelle, on en a 5. Peut-être vous les montrer. Hop, on a 5 badges, il nous reste Jasmine, j'ai oublié son prénom, et je crois c'est Sandra la dernière. Alors, on sent qu'on a encore beaucoup d'aventures à faire. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le 10ème épisode. En attendant, portez-vous bien.